quand on sait qui on est, où est-ce qu'on va, ce que Dieu attend de nous. Donc ça devient plus clair, on n'est plus dans le flou. Mais parce que la chose la plus importante, c'est de connaître son identité en Christ, qui on est, sa valeur, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu dit de nous. Parce que quand on ne connaît pas sa valeur, son identité, ben les gens, ils peuvent dire n'importe quoi, on peut s'identifier à tout et n'importe quoi. Et puis on accepte ces choses, mais une fois qu'on connaît l'identité en crise, qu'on s'est imprégné de cela, on a plus confiance. Et voilà, parce que quand je suis arrivée, j'étais vraiment perdue d'identité, je ne savais pas qui j'étais, j'étais vraiment perdue dans ma vie. Voilà, j'irais ma vie, je savais même pas qui j'étais, quoi. J'avais pas de but dans la vie, j'avais pas d'objectif, j'étais juste là, j'étais juste quelqu'un qui était là comme ça. Il y avait tellement de choses qui n'allaient pas, c'est pour expliquer, il y avait beaucoup de choses en moi qui n'étaient pas bonnes, donc il fallait tout casser, reconstruire selon la vision de Dieu. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à prendre confiance en moi, à aller de l'avant, à changer beaucoup de choses dans ma vie et à me séparer de tout ce qui n'était pas aussi à la gloire de Dieu.